Ah tiens, ça tombe bien que tu mettes tes chansons. Parce que pourquoi tu te déshabilles? C'est gênant. Bonjour Michel. Bonjour. Mais comment ça va Michel? Ça va très bien quand je vous écoute et que j'écoute, entre parenthèses, mon fils, que je suis vraiment content. On est content de vous avoir, Michel. On est salut papa, content. C'est incroyable. Bon alors, bonjour. Racontez-nous de qui votre fils tient-il cet humour désaxé, totalement flegmatique. Un peu de lui quand même. Attendez, il va vous faire des blagues là. Allez, allez Michel. Il a toujours fait des blagues depuis qu'il est tout petit. Il est alors ça ne me surprend pas qu'il ait choisi ce type de métier et puis que justement ces blagounettes soient très intéressantes. On sourit, on rit. Bon, peut-être dans la maison, j'avais tendance à faire des jeux de mots à la Laurent Ruquier, mais ah, lui, c'est plus le même niveau. Ah, c'est ça. Mais il paraît que Solange, votre femme, est un peu plus critique à l'endroit de son fiston Rémi. Oui, c'est possible, alors que moi, à chaque fois, je le trouve très bien. Bon, il y a peut-être des moments un petit peu de creux, mais c'est normal. Oui, bon, on ne peut pas être au même niveau. Mais alors, ce que j'apprécie chez vous, Maïtena, oui, c'est la diversité des sujets que vous abordez. Ah, c'est merci, ça qui fait la richesse de l'émission. Oh, vous êtes sympa. Non, mais la richesse de l'émission, c'est votre fils, hein, on va pas se mentir, il est là, c'est un soleil, il est là, il est très élégant. Toujours. Je suis très content parce qu'il vous fait rire. Il vous fait rire et des fois des fous rires dans le studio. Et là, il pleure de rire vous entendant. Tu pleures, t'es ému, tu peux envoyer un message. J'avoue, c'est surprise, franchement. Allez, je vous laisse. On peut dire quand même, Pac, c'est vrai que tu m'envoies un petit message. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'émission. On vous embrasse très fort, Michel. Merci. Écoutez la suite parce que là il est tout déstabilisé, il est en larmes, notre Rémi, c'est trop beau. Arrête, c'est bon. Allez, on remet la musique. Je vous embrasse, Michel. Allez, toujours en France, une enquête réalisée par l'INSERM indique que les couples ont en moyenne 8,7 rapports sexuels par mois, soit un tout petit peu plus de 2 par semaine et donc 0,3 par jour. 2 par semaine. Ah ouais, non, et là il faut que mon mari m'appelle là. Allô chérie. Ah, je veux pas tout savoir. C'est une enquête qui avait été réalisée en 2006. T'es trop mignon, tu vas un mouchoir Rémi? Mais arrête, c'est pas vrai. Allez, une petite info issue du journal belge de La Capitale à présent. Des gardes forestiers.